Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et tout d'abord, bonne année, première vidéo de l'année 2021. J'espère que vous avez clôturé l'année 2020 en beauté, que vous avez passé de bonnes fêtes. Et je suis très heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Et on reprend les bonnes habitudes avec du lourd dans cette vidéo. Donc préparez-vous, chauffez les cartes. Et on commence 2021 avec un tour de magie de petits paquets. Un tour vraiment incroyable, je suis sûr que vous allez kiffer. Bref, comme d'habitude, la démo. Et pour ceux qui souhaitent apprendre à réaliser ce tour, vous aurez le lien de l'explication dans la description et également dans la section commentaires. Et pour les autres, je vous laisse juste pour le plaisir des yeux. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo. Et pour ce tour, en fait, j'utilise quelques cartes. Donc ici, 8 cartes. Donc je vais vous montrer ça plus nettement. On va utiliser un carré de 5 et également un carré de joker. Donc regardez bien. Ce que je vais faire, en fait, on va tout simplement utiliser les deux paquets séparément pour que ça soit plus simple à suivre. Alors d'un côté, je vais pas pouvoir vraiment faire comme je veux, mais bon, puisque j'ai pas de spectateur, mais on va le faire comme ça. Je vais prendre les cartes, les jokers, et les mettre dans la main du spectateur. Mais normalement, c'est le spectateur qui les tient comme ça en sandwich dans ses mains. Comme ça, on peut plus les toucher. Et de l'autre côté, on va utiliser donc notre carré de 5. Alors regardez bien ce qui va se passer. Je vais juste prendre les cartes et les mélanger. En fait, je fais passer celle d'en dessous dessus, comme ceci. Vraiment indéfiniment, histoire de vraiment perdre l'ordre, afin qu'on ne puisse pas connaître l'ordre des cartes. Et quand le spectateur le désire, il me dit stop, vraiment, où il veut. Imaginons qu'il me dit stop maintenant. On regarde la carte, donc moi normalement je la regarde pas, je montre juste la carte en dessous comme ceci. Et ensuite je regarde pas, mais là je le fais parce que je suis obligé de le regarder, sinon je pourrais pas avancer dans le tour. Donc ici, imaginons que le spectateur ait choisi donc le 5 de cœur. Donc ce qu'on va faire, regardez bien, on va laisser les cartes juste ici, là, et regardez. On a deux paquets, le paquet de joker, le paquet des 5. Normalement, à ce moment-là, je demande au spectateur quelle était ta carte. Imaginons qu'il me dise donc le 5 de cœur. Regarde bien, on fait juste ceci. Et si on regarde bien maintenant, si on étale, à la place de l'une des cartes, on se retrouve avec un joker. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous reste juste le 5 de trèfle, le 5 de pique et le 5 de carreau. La seule carte qui a voyagé, c'est bien le 5 de cœur, la carte choisie. Et là, normalement, le spectateur ouvre ses mains et quand il regarde, on peut voir qu'entre les jokers, il y a bien une carte face en bas. Et s'il la regarde, c'est bien le 5 de cœur. La carte choisie, c'est un vrai miracle. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu. C'est vraiment un tour vraiment très sympa, la construction est vraiment très intelligente. Franchement, ça fonctionne très bien, surtout si vous le faites avec un spectateur quand il ouvre sa main et qu'il voit la carte dans sa main. Vraiment, l'impact est vraiment très fort. Donc voilà, pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser ce tour, vous avez le lien de la vidéo explicative directement dans la description de cette vidéo et dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas, mon école de magie 100% gratuite, sans aucune inscription, www.magistreaming.fr. Vous allez pouvoir retrouver les bases et les techniques en magie des cartes, en magie des pièces, des tours de magie expliqués. Et également, si vous souhaitez me soutenir, ma plateforme de VOD avec l'onglet Magie Streaming, c'est tout sur le même site. Vous allez pouvoir retrouver forcément des vidéos en téléchargement, des tours plus élaborés en passant par la construction de gimmicks ou des DVD complets. Bref, je vous laisse checker tout ça. Encore une fois, bonne année, j'espère qu'elle sera remplie de magie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.